Le mur est trop beau. Oh yes, merci. C'est vos prénoms qui sont écrits derrière. Tu fais quoi comme coiffure? Ça, c'est une question pour toi. Alors, on va faire un peu collé comme mode africain. Tu vas changer de couleur? Non, je vais pas changer de couleur. C'est juste une coiffure, c'est pas une teinture. Tu fais des dreadlocks. Des dreadlocks, il n'y a pas assez de mon gueule, malheureusement. Ah mais je peux plus long, c'est un peu plus facile. Pas beaucoup sur le live, sinon j'adore. Mais t'inquiète, c'est cool, au moins j'arrive à suivre les commentaires. J'avoue. Tu fais un tuto pour l'agenda? Ouais, enfin, je vais faire. Parce que j'ai encore pas commencé. Bonsoir à tous et salut Ethan. Merci beaucoup Max, merci beaucoup ceux aussi. C'est vrai que je les entretiens pas beaucoup. Tu vois ton prénom sur le mur? Oh yes. Le mur que tu dois peindre, c'est pour quand? Alors pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc j'en sais rien du tout. Tu viens à Strasbourg? Ouais. T'as pas de nouvelles? Ça fait combien de temps maintenant que... Trop longtemps. Oh, ouais, ça fait plus d'un an, rien. Mais même... Mais c'est pas quand... Chacha, il y a ton prénom sur ton mur, c'est quoi? Charlotte? Tes lunettes fait des branches colorées d'artistes. Ouais, pourquoi pas, mais tu veux que je marque? Non, en fait. Attention! Merci! Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a Loan, oui, comme prénom. Mais alors, vous dire où, ça, j'en sais rien du tout. Il y en a plus de 700 des prénoms, donc. Il n'y a pas de lien. Ouais, je sais pas, peut-être. Hein. J'ai regardé. Je vais pas changer de couleur. Pour l'instant, j'ai rose. Bah, c'est un rose un peu délavé blanc. Mais je vais pas changer de couleur. Tu veux laisser se délaver ou tu veux refaire un petit? Non, je vais la refaire. J'ai un peu de produit pour la faire. Est-ce que ton métier est graffeur? Alors non. Mon métier, je dirais plutôt artiste en général, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui dit allô depuis dans les commentaires depuis tout à l'heure. Pourquoi? Tu veux que je tienne? Ouais, merci. Je vais prendre servir des gâteaux. Il y a Ava, mais pas Havana. Il y a la moitié de toi. La prochaine vidéo avec Tissizo, je lui avais envoyé des cailloux. Je sais pas si vous avez vu. Et du coup, il m'a envoyé des cailloux. Donc je les ai reçus. Il faut que j'aille les coller en ville maintenant. Ah ouais? Bah comment c'est possible ça? Attends, je vais peut-être baisser le son. Est-ce que tu aimes ta coiffeuse? Ouais. Bah quoi bien quoi. Mon film préféré? Je dirais... Oh, j'ai bugué la voix là. Je dirais Star Wars ou Seigneur des Anneaux. J'aime bien les séries. Les sagas déjà. D'ailleurs, il y a une nouvelle série qui va sortir sur le Seigneur des Anneaux, j'ai trop hâte. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle. Je sais plus. Et en gros, c'est l'histoire de la création du monde. Il y a Tolkien qui a sorti un livre qui s'appelle Le Silmarillion. Et je crois que ça retrace ça. C'est en gros l'histoire de la création du monde, la création des anneaux, etc. Et voilà. Tu aimes la K-pop? Ouais, j'aime bien la K-pop. Et mon manga préféré, j'en ai pas parce que je regarde pas de manga. Je regarde un petit peu, j'ai regardé Naruto, pardon, n'importe quoi, Dragon Ball. Et j'ai lu aussi la série de manga Dragon Ball, mais sinon c'est le seul.
marque de feu préférée, c'est Molotov. Un peu comme des Posca. Tu disais? Je vois des gens dans les commentaires genre ouais, tu peux me répondre, etc. Genre, les gars, vous voyez que j'interagis avec vous quand même. Enfin, je vous réponds, tu vois. Et ça sert à rien de mettre un message genre ouais, tu peux me répondre s'il te plaît. Enfin, genre, je vais pas répondre à... C'est débile, quoi. Genre, je peux un DVD, quoi. Je peux interagir avec vous, je peux répondre à vos questions. Mais du coup, bah, si tu veux que je te réponde, bah, pose une question, en fait. Ce sera plus intelligent. Non, mais le pire, c'est que tu peux en monter la tête et tu peux même pas voir toutes les questions. Ouais, moi aussi, ça va. Merci beaucoup, Mathia. Ma couleur préférée, je dirais le rose. Tu préfères dessiner au feutre? Manga. C'est vraiment tout ça, j'ai pas compris là, c'est voilà. Je fais du dessin manga, yes. J'ai 26 ans. Qui t'a inspiré à faire de l'art? Je pense que c'est mon grand frère au début, quand j'étais petit. Qui est artiste? T'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. Tu serais capable de sortir avec ta... Est-ce que tu aimerais être en couple avec ta coiffeuse? Mais wesh. Calmez-vous, hein, genre, calmez vos hormones, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe rien entre nous deux. Mis à part une coupe de cheveux. Est-ce que j'aime la képipe? C'est quoi la képipe? Je pense que c'était trop un peu l'entonnoir. Ouais, je pense qu'il a... Est-ce que je reviendrai un jour en Suisse? Bah, tous les ans, il y a la convention Polymanga à Montreux. Du coup, oui, j'y vais au moins une fois par an pour cette convention, quoi. Ma planète préférée? Ah, c'est Saturne! Parce que Saturne, hein? Est-ce que je compte venir à Marseille? En général, j'y vais pour le Delta Festival. Donc voilà, cette année, je suis allé pour le Delta et... Là, je dirais que la coupe de cheveux soit terminée. Mais non, mon rêve, plus sérieusement, ça serait d'avoir ma propre galerie d'art sur une péniche. Ouais, le kiff d'avoir une galerie sur une péniche, quoi, en fait. Dans une bonne ville, tu vois, genre pas... pas, je sais pas, une petite ville de 200-300 000 habitants comme Strasbourg, tu vois, c'est trop petit. Mon dessin préféré que j'ai fait, je les aime tous. Pas de dessin préféré. Quand tu étais petit, c'était quoi ton dessin animé préféré? Tu peux répondre aux questions toi aussi, Arana. Ah bah moi c'était Tom and Jerry et Scooby-Doo, hein. Je te dis clairement. J'avoue, Tom and Jerry, j'ai Scooby-Doo un peu. Mais moi je regardais... Ouais, mais moi je les ai regardés au moment. Moi je regardais Inspecteur Gadget. Ah non, j'aimais pas ça. Je me rappelle, je rentrais de l'école, du collège, je me posais avec un bol de lait et des cookies ou des trucs comme ça, en guise de goûter, et je regardais l'inspecteur. Tu es belge? Comment ça, je suis belge? Enfin, je... C'est marqué ma ville sur mon profil, les gars, après, genre... Est-ce que j'ai un accent belge? Mais fais l'accent à la sœur, tu connais pas? Ah oui, bah... Moi, c'est pas ma copine, non, c'est ma coiffeuse. C'est genre, elle est à moi, tu vois, à moi, coiffeuse. Ma musique préférée, je sais pas, j'écoute de tout. Alors... Ta coiffeuse, est-ce que t'es capable de sortir avec moi? Quelle question! C'est long les études d'art, ça dépend. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui se font en un an, en deux ans, en cinq ans, en 10 ans, il y a de tout. Ça dépend du niveau aussi, non? Ça dépend, ouais, de ce que tu veux faire.
Par exemple, si tu veux travailler dans l'animation, tu vas peut-être faire une mise à niveau pour apprendre un petit peu à dessiner et avoir quelques bases. Et ensuite, je crois que c'est un DMA. Voilà, diplôme des métiers d'art en animation. Donc voilà, c'est 2 ans. Et après, si tu veux te perfectionner, forcément, tu continues. Voilà. Je t'envoie une photo de mes dessins. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous dire, malheureusement, à tous des commentaires sur vos dessins. Si vous m'identifiez dans les vidéos sur TikTok, il y a moyen, tu vois, genre, je passe de temps en temps sur vos comptes. Mais sinon, c'est... Enfin, j'ai pas le temps, je suis vraiment désolé. Tu dessines par passion ou pour le buzz? Ouais, il y a des fois, il y a un mix des deux, dans le sens, des petits dessins à la con que je fais juste pour m'amuser, tu vois, puis ça marche, c'est cool. Ça marche pas, je m'en fous. Mais sinon, les plutôt grosses œuvres, ça, je ne fais pas plaisir, en fait. Merci beaucoup, Sian, ça fait plaisir. C'est ton Pokémon préféré? Ah ouais, la question était bizarrement posée, d'accord. Moi je dirais c'est Mewtwo et Maconeur, mes Pokémon préférés. D'ailleurs j'ai pas fait de parodie de Maconeur. Essayez de trouver une parodie, un jeu de mots avec Maconeur. Ça pourrait être quoi? Macouilleur? Ah ouais. Oh, Macouilleur est pas mal. Pas mal. Donc voilà, vous pouvez les mettre en commentaire sur les vidéos en rapport avec les parodies, comme ça je les retrouve. Je te regarde en dessinant, yes. C'est quoi ta phobie, Amana? Je pense que je suis claustro, je suis pas sûre. Imagine, t'aurais dit, ah, j'ai peur des cheveux. Qui a peur des cheveux? Je sais pas, Bon, ça peut exister, c'est vrai. Genre, mais... t'es capillophobe. Oh. Et je suis quoi, plus ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ma phobite. Oui, bah oui, t'as la phobie des bites. Moi, ma phobie... J'ai quand même une petite phobie des araignées, tu vois, pas en mode phobie. T'as une phobie des araignées, tu viens d'en manger? Ouais, non, mais je sais, mais pas en mode phobie du style genre « Ah, je me roule en boule », tu vois. Mais j'en ai peur, dans le sens, j'aime pas ça, tu vois. Et du coup, le défi de se mettre une araignée sur la tête, c'est un vrai défi, quoi. Mais sinon, après, j'ai pas vraiment de phobie. La phobie temporelle, genre t'as peur de vieillir? Il y en a qui ont des phobies temporelles. Moi, c'est l'outil de rune, d'accord. Le lait avant ou après les céréales? Question fatidique. Le lait après les céréales? Ouais. C'est pour les crapuliers. Quand il agace les gilets de lait. Ça, par contre, c'est glauque. Je peux te rappeler que c'est... Parce que en fait ça me servait pas que aux céréales. C'est-à-dire que je mettais. Lait avant, je trempais mes tartines de. Tartines. Pain au chocolat. Normal. Pain au chocolat. Merci Sartre d'être un timbronné. Moi j'ai la thalassophobie, c'est horrible. Ah ouais, c'est la peur des fonds marins, c'est ça? Moi j'ai peur aussi, genre quand tu vois vraiment pas le fond, tu vois. Genre quand c'est tout noir dans le fond. Ah ouais, ouais. Genre toi dans un lac, tu vois pas quoi. Ouais, carrément. Un lac ou pire, genre dans la mer, tu vois. Quand j'ai papier, c'est... Enfin, quand t'as papier, vraiment que tu vois pas le fond, c'est un peu chaud. Ah ouais, ouais. Après moi je viens d'ici, Coca ou Pepsi? Coca. Oasis. Rien à voir. Posez des questions, genre justement avec des choix comme ça. Ah, je vais poser une fois. Ice tea ou Oasis? Oasis pour moi. Mon rêve, je l'ai déjà dit, c'est d'avoir une galerie d'art sur une péniche. Et toi, Mena, ton rêve? Mon rêve? Je pense de coiffer des stars. Ouais. Ou alors des fashion, week. Yeah, c'est ce que t'es en train de faire. Tu réalises ton rêve là. Oh, voilà. Incroyable. Oh, voilà.
de moi avec ma cognure. M'a cogné mon doigt de pied. Oui, il est génial. Et franchement, mets-le en commentaire si il est incroyable. Xbox ou PS4? Alors, frérot, on a la PS5 quand même. Et moi, j'étais à la PlayStation. TikTok ou YouTube? Moi, je dirais plus YouTube. Enfin, ça dépend en fait. Genre, pour poster du contenu TikTok, pour regarder du contenu YouTube. J'en avais vu un aussi, c'était peinture ou feutre. Moi, je dirais feutre parce que c'est plus pratique. Genre, moi qui suis feignant, t'as pas besoin de tout ranger, de tout déballer. Tu fais pas de gâchis. Enfin, bref. Ouais, exact, besoin de laver les pinceaux, les palettes. Je lave jamais ma palette. Chiant, hein, tu peux laver les pinceaux, hein. Ouais, ouais, carrément. Mon style de musique, comme vous pouvez le constater avec la playlist, c'est génial. C'est absolument éclectique, il y a tout un truc. Dessin ou coloriage? Bah, les deux. Tu fais un dessin que tu colories. Tu prends le dessin. Popcorn salé ou sucré? Ah! Ah ouais? Ouais. T'es un extraterrestre ou quoi? Bah, Malte, y'a que des salés, hein. Genre, si tu prends un sucré, tu regardes mal. Non, c'est comme ici en France. Y'a les Maltais. Ah, d'accord. Oui, y'a les Maltais. Moi, c'est sucré. Non, salé. TikTok ou Insta? Moi, je dirais plutôt Insta. Parce que je suis beaucoup plus d'artistes qui m'inspirent là-bas. Ouais. Film ou série? Film. Ah, okay. Moi, je dirais film. Parce que au moins, genre, tu regardes un truc et ça y est, c'est bon, c'est plié, t'as pas besoin de regarder 1000 épisodes pour suivre la série, quoi. Moi, je préfère. Thé ou café? Thé. À la CBD. Thé à la CBD? Ouais, t'as déjà goûté? Non. Oh, bien, je peux te faire goûter. Moi, je dirais thé. Qu'est-ce que c'est? Parole, t'as entendu? Ouais, ouais. La vache. Tu m'aimes? Mais oui, je vous aime. Par contre, tu fais une faute d'orthographe. Idiot. C'est pas le prof, là. Ville ou village? Moi, c'est ville. Village. Moi, c'est ville. Il y a beaucoup plus d'activités à faire, de potes à voir. Ouais, ça, c'est vrai. Mais bon, activités à la campagne, tu peux en faire aussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais je veux dire d'exposition, quoi, tu vois. Ah oui, pardon. De comment ça s'appelle? De culture. Ouais. McDo ou KFC? Ni l'un ni l'autre. Ouais, pas ouf. Attends, Naruto ou Dragon Ball? Ah, Dragon Ball. Abusé. Enfin, après, je regarde pas du tout Naruto, donc je peux pas juger, tu vois. Salut Yves! Attends, c'est Yves? J'ai du mal à lire le pseudo. Mais salut à toi! C'est quoi mon plat préféré? Les pâtes. Non, pas les douilles, les pâtes. En fait, c'est le seul plat que je sais cuisiner. C'est pour ça que je viens pas manger chez lui souvent. Tout simplement, voilà. Netflix ou Prime Video? Étant donné que je n'ai pas Prime Video, je n'ai pas Netflix. J'ai regardé Prime Video, il n'y a pas tellement de choses. Dragon Ball Z, ça a peut-être un petit peu vieilli, même si les puristes diront que c'est le meilleur. Mais je trouve le scénario un peu plus recherché dans Dragon Ball Super, même si ça devient un peu le gros bordel. Été ou hiver? Hiver. En fait, l'été, il fait trop chaud. En plus de ça, avec le réchauffement climatique, il fait beaucoup trop chaud. Et tu peux pas enlever une peau, tu vois. C'est pas possible. Quand t'as chaud, bah t'as chaud. Alors qu'en hiver, tu peux toujours rajouter un t-shirt, un sweat, une veste. Non, moi je suis team été parce que la chaleur ne va pas me déranger. Moi s'il fait pas 31 degrés, moi j'ai froid. Hein. Ça, j'arrête pas de me travailler avec des vestes, des pulls et tout ça. Ton type de dessin préféré? Je dirais le cartoon et l'art abstrait. Cartoon pop art, c'est un peu la même chose. Ah non, non, non. Chien ou chat? J'ai un chat, mais ça dépend en fait de la situation de travail que t'as. Est-ce que tu as la rêve de King Bob?
quitter, mais je vous aime, bye. Salut à toi. Merci beaucoup d'être passé. On en pourri. Le pays que tu rêverais de visiter. Je l'ai déjà visité, mais c'est les États-Unis. Parce que j'aime beaucoup genre, en gros, quand on est en France, il y a beaucoup de trucs qui se passent à Paris. Mais sinon, par rapport au monde, bah, il y a beaucoup de trucs qui se passent aux États-Unis, en fait. C'est là-bas que la plupart des youtubeurs ont débuté, en fait. Enfin, genre que YouTube a débuté en grande majorité. Il y a beaucoup de youtubeurs français et d'ailleurs qui s'inspirent de youtubeurs américains. Et ça, c'est pas que dans YouTube. C'est-à-dire que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, inspirent le monde, en fait. Mais sinon, j'aime beaucoup le Japon. Mars ou Twix? Et toi, le pays que t'aimerais visiter, en fait, Havana? Je sais pas, tant qu'il y a de la plage, la mer et les palmiers, on s'en va, franchement. Demon Slayer ou Dragon Ball Z? J'ai jamais regardé Demon Slayer. Du coup, je ne sais pas. Par contre, on m'a conseillé de regarder SNK. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui regardent SNK? Canada ou France? France. Canada, il fait trop froid. Canada, il fait trop froid. Ouais, je sais pas. J'ai déjà visité une fois le Canada, c'était pas mal. Enfin, le Québec surtout. Incroyable, c'est le cas. Ouais, on m'en a dit beaucoup de bien. Et surtout que, genre, en fait, c'est un manga, enfin, un animé plutôt. Après, je sais pas si. Il y a une version manga de cette carte. Je suppose. Ouais. Ça s'appelle comment cette chanson? Attends. Vas-y. C'est un truc de musique classique, en fait. Ouais. Ludovico Einaudi. Experience. Ok. Voilà. Goku ou Vegeta? Ah, moi, je suis Team Goku. C'est quoi? Vas-y, expliquez ce que c'est, les abonnés. Moi je suis là, ouais. Ça c'est peut-être plus un sondage pour toi. Messi ou Ronaldo? Non, parce que c'est ça. Je sais, je connais, je sais qui c'est, mais je pense que je serais plus. Moi je dirais Messi, non, je crois que c'est en français. Parce que tout simplement, fierté quoi. Mais je suis même pas sûr que c'est qui sont. Messi? Ouais. Mais il est pas français. Mais non. Messi? Mais non. T'aimes la poutine? Moi j'aime bien la. Je sais pas si j'ai déjà goûté une fois la poutine. C'est qui la fille? Ah voilà, mon trophée. Voilà, c'est ma coiffeuse. McDo ou Burger King? Aucun des deux. Allô. Poutine ou burger? Bah ouais, je dirais burger, après j'ai jamais vraiment mangé de poutine, je crois. Enfin, c'est trop bon. Ah ouais, pour le. Bah génial, trop bien. Pour le. C'est pareil, je crois. Qui là, trop bien. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Poutine, c'est trop bon. Bah vas-y, ouais, j'ai envie de tester maintenant. Mais je vous laisse expliquer qui est Goku et Vegeta. Je peux rien. Parce que Havana, elle connaît pas. Vas-y, peux rien. McDo ou Quick? Aucun des deux, les fast-foods, c'est nul. Ouais, voilà. C'est pratique, mais pas ouf. Il était explosif, ton poutine. Poutine. Dis-moi ce que tu fais, t'es le meilleur. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'arrive pas à lire mes pseudos, ils sont trop petits. Je suis vraiment désolé, mais merci en tout cas. Il peut pas en fait. Désolé. C'est quoi ton personnage préféré dans Marvel? Ah! Ah! Question à toi, oh. Tu connais bien en Marvel. Oui, j'adore. C'est super belle. Je pense que c'est. Ah ouais? Moi, c'est Wolverine, j'aime beaucoup. Parce que pour moi, il est hyper charismatique. Et pour avoir lu certains comics de Wolverine, ils ont très bien réussi à le faire ressembler dans les films avec Hugh Jackman. Lou.
trouvé à part un dieu. T'as pas vu le dernier tort, toi? Non. Parce que non, c'est pas un dieu qui peut le sauver, c'est quelqu'un qui en est digne. Ouais, donc, ça oui, peut être n'importe qui oui, en fait. C'est vrai. Mais bon, il faut être digne quoi. Do you speak English? Yes, I speak English. Which accent do you want? Do you want a British accent? C'est vrai. Or the American accent? Or the French? C'est la bête, alors là. Mon personnage préféré de DC Comics. Moi je dirais c'est les versions un peu dark de Superman quand il fait n'importe quoi. J'aime bien ça. Parce que moi je suis assez team genre de destruction, tu vois, genre bien quand il fout le bordel. Et bah, du coup il y a dans les comics il y a quelques versions dark de Superman et j'adore. C'est ta meuf? Non. Je dirais pas. Merci les gars pour t'impoter pour le lac, ça fait plaisir. Je vais faire un TikTok avec des avec des dessins que j'ai fait. Je vais te mentionner au max. Bah vas-y frérot. Ah pardon, t'étais meuf. Vas-y Cerise. Tu préfères faire des collaborations ou faire solo pour tes dessins? Ça dépend les collaborations, mais j'aime bien les deux. Je pense que je préfère quand même les collabs. C'est un peu challengeant, tu vois. Pourquoi tu te fais des nattes? Et pourquoi pas? C'est la question que je me pose. Qui, moi? Toi? Oui. Pourquoi je me fais des nattes? Oh, ouais. Tu préfères ne plus jamais faire... Vas-y, dis tout, mais tu préfères, on a rigolé. Ne plus jamais faire de dessin, ne plus jamais faire de bruit. Super géniaux pour les... Ne plus faire de dessin ou ne plus faire de bruitage. Je dirais ne plus faire de dessin parce que vraiment les bruitages, je kiffe ça. Il y a un point. Et au pire, je pourrais faire des bruitages de doublage pour des jeux, pour des films ou des dessins animés. Tu vois, ça. Ouais, ça me fait craquer. Ma peluche préférée, c'est celle-là. Pas trop mignon. D'ailleurs, je m'amusais tellement à faire ça. Genre, j'envoyais des messages à des nanas en lui disant tu veux voir mon zizi? Et puis ensuite, j'envoyais une photo. Sauf que bah, la meuf, il faut qu'elle clique pour ouvrir la photo. Et du coup, je me suis fait bloquer par des potes parce qu'elle croyait que j'avais vraiment envoyé une photo de ma bite. Tu sais que tu me l'as fait. Hein. Ah ouais? C'est pas fini, ouais. Ah ouais?
Michou ou Inox? Je sais pas, j'aime bien les deux. Demande des questions à tes abonnés. Moi, je leur pose des questions. Ouais. Genre ça ou ça? Ouais, vas-y. Attends, là, il y a une dernière question. C'est qui ton youtubeur préféré? Pour toi, du coup, Avana, c'est qui? Ah, ça, il faut pas me poser en fait. Parce que tu connais pas. Moi, je regarde pas tellement YouTube, j'ai pas le temps. Ah, est-ce que c'est ça? Pas le temps. Désolée, mais c'est vrai que je suis pas trop sur YouTube, je suis sur Instagram et je dors. Pourquoi tu changes de couple? Comment ça, je change de couple? Moi, mon ouais, YouTubeur parce que préféré... lundi, il est avec une meuf et le dimanche, tu vois. Je fais quoi? Je me fais coiffer par Havana, du coup. Ouais. Et je pense que tu voulais dire je change de couple, du coup, parce que j'ai envie. Mais du coup, j'ai toujours pas répondu. Je pense que mon YouTubeur préféré, c'est Jorica. Parce qu'il est quand même assez diversifié, il fait quelque chose de très créatif avec la musique. Et j'aime bien sa good vibes dans les vidéos. Après, j'aime aussi beaucoup son physique, Astu aussi. Alors maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. Vas-y, déjà, première question. Est-ce que vous pensez que c'est ma copine ou pas? Non, mais... Parce qu'il y a plein de gens qui posent la question, du coup, essayez de deviner. Voilà, dites oui ou non. Oui, non, 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 oui, oui, non, oui. Ok. C'est qui la madame derrière? Bah justement, devinez. Non, ça sent. Sur une vidéo YouTube. Non, ce n'est pas ta copine. Ouais, elle était justement invitée dans ma dernière vidéo. Merci Claire pour les likes. Non, non, oui. Alors du coup, la réponse c'était non. Non. Oui, oui, oui. Alors ouais, alors lui, il veut qu'on s'entende. C'est ta coiffeuse, exact. Ta coiffeuse préférée, exactement. Ouais, parce qu'en plus, elle est bonne. Oui, non, mais... Non, mais c'est ta coiffeuse préférée, mais par contre, je veux pas les cheveux chez moi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, ah, t'as pas de chien, hein, bah. Alors, deuxième question. Pepsi ou Oasis? Ouais, bah voilà. Pepsi ou Oasis? Ou alors, tout simplement, quel est votre poisson préféré? Il y en a, ils vont me sortir Ricard. Merci Claire encore pour les likes, ça fait plaisir. Merci Ricard de t'abonner. Oh, on a un petit don de la part du PSG. Je pense pas que ce soit le compte officiel du PSG. Alors, on a du Pepsi, on a du Ice Tea, on a du Fanta, Oasis. Vaux. Il n'y a pas de cocktail? Fanta, Oasis, non, ils sont trop jeunes. De l'eau. Ah ouais, l'eau du bidon. Alors, est-ce que je suis la seule qui remarque la différence de goût selon la marque d'eau? Bien sûr, c'est normal. Tourtel, c'est une marque d'eau, ça, je crois, non? Ricard, voilà, forcément, il en fallait. Mojito, así. Mojito, arr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 
une sorte de fantôme ou c'est... Pierre. Ice tea du bidon, mais non. Drague au feu, je l'ai déjà fait, frérot. Fais des bruitages. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des bruitages? Il n'y a rien à bruiter. Nutella du bidon, bah oui, finalement. Allez, du coup, on va trouver une autre question. Est-ce que vous avez une idée d'autres questions que je pourrais vous poser à vous cette fois? J'ai une question à ce point. Quel est votre animal préféré? Tu commences. Tu utilises des marqueurs Montana. Molotov. Pascal, j'utilise des Molotov. C'est vrai que j'ai découvert que Montana fait des marqueurs et je pense que je vais les tester. C'est quand le retour des cartes Pokémon. J'en ai une qui est en cours depuis tellement longtemps. Donc incessamment sous peu, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de temps jusqu'à mi-septembre. Cheval, chat, chauve-souris, méduse. Ah ouais, genre méduse, c'est ton animal préféré. J'avoue, je voulais bien prendre des méduses pour la vie. Ça va faire un peu. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas très apaisant de les toucher. Non, j'ai eu pas. Lion. La suite du mur de Strasbourg, bah quand j'aurai des nouvelles, frérot, pour l'instant j'en ai pas. Un loup, un serpent, un renard, ah oh ouais, grâce. Ah, oh, les renards ils sont trop chauds. La loutre, l'esquive de loutre. Un toucan, ah oh ouais, grave. Georges Clooney, voilà, ah, c'est ça. Ouais, Maconier, mon doigt de pied. Mais ouais, mais vas-y, mais mets-le en commentaire, frérot. Plusieurs fois même. C'est ça que tu as dit de Brad Pitt. Bah voilà. Moi, c'est un Brad Pitt, mon acteur préféré. Dans Ocean, il est absolument incroyable. Et dans Fury aussi, un film sur la guerre. Je trouve trop charismatique. Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf derrière moi? Chanteur préféré, je dirais Lil Nas X ou Queen. Le potiche. Ouh la vache. Ouais. Et j'en ai fait qu'une. C'est... Oh la vache. Et franchement, limite, bah comme ça on arrête. Mais c'est bien comme ça, non? Et après, je te fais des crampes sur le côté, là, comme les années 60. Tu l'as fait pile au milieu, c'est vraiment trop drôle.
J'ai quel âge? Vas-y, devine. Ah, ça fait rire. Tu peux avoir le podcast? Ah oui, parfait. Ah, tu veux que je te fasse ça à la barbe aussi? Je te fais des points à la barbe. T'en mets beaucoup? Oh, non, mais c'est normal, je le mets sur mes mains et après je prends petit à petit. Ah, d'accord. Comme ça, j'ai pas besoin de tout le temps. Okay. Et comme ça, tu peux faire ça. Ouais. Hé, non? Ouais. 33, genre tu me donnes 33 ans, toi? Oh la vache. Tranquille, j'ai pas encore passé la crise des trentaines. Vous me donnez combien? À chaque fois, il y a des. Toi, t'as 16 ans, ouais. La dernière fois, je suis allée acheter une clope. J'embauche des mineurs. Ma carte d'identité. J'embauche des mineurs, moi. C'est pas vrai, hein, c'est avec l'apéro. 49, genre ouais, vraiment, tu me donnes 49 ans, quoi. Genre, j'ai l'âge pour faire, quoi. Oh, mais c'est bien. Bah, il a... Pour vous rassurer, il a pas les cheveux blancs. Ouais. À 49 ans, tu commences à avoir des vrais cheveux blancs, hein, pas des cheveux décolorés. Des vrais cheveux blancs. 23, je sais pas si vous, du coup, vous dites mon âge ou pas. 56, bah oui, toujours plus. 67 ans, bah bien sûr. Ouais. Allez, y'a ouais, j'ai 103 ans. Tape sur la tablette, oui. Ouais, vas-y, je vais regarder. Waouh, wow, mais c'est trop beau! Elle est trop belle, la canette! C'est pas mal. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est les petites canettes de boisson. Donc, de la liqueur, tu disais? Attends. Ah, ça s'achète sur Amazon. Je le vois venir. Prochaine vidéo YouTube. En fait, c'est genre niveau bouffe, moi j'ai envie de faire plein de vidéos où je teste des trucs. Parce que c'est incroyable. Alors, quel âge j'ai? Du coup, moi j'ai 26 ans. Mon humoriste préféré. J'aime beaucoup l'espèce de tagliatelle là. Spaghetti, enfin spaghetti man, quoi, qui est tout frais. Là. Comment il s'appelle déjà? Apple Mirabel, c'est ça. C'est quand ta prochaine vidéo? Bah, y en a une tous les jours, mec. Enfin, aujourd'hui j'en ai pas posté, mais du coup demain, 17h. Ah, t'en penses une tous les jours? Ouais. Il a fait ça une fois, je crois. Tu fais quoi comme coiffure? Je fais des nattes. Nul Paris. Bah ouais, mais bon, comparé à Marseille, frérot, Marseille ça pue. Dans le sens vraiment littéralement, genre, y a plus. Ouais. Ouais, bah ouais. Quand j'y suis allé, vraiment, c'est. Y a plein de gens qui se plaignent que les poubelles débordent à Paris et que c'est dégueulasse. Alors Marseille, c'est encore pire. Après, vu que c'est dans le sud avec la chaleur, c'est encore pire. C'est ça. Et les odeurs, elles se répandent très très vite. Le basket ou le foot? Le basket. Le basket, carrément. T'as combien d'abonnés sur YouTube? Bah écoute, va voir, il y a le lien de ma chaîne sur mon profil. Je sais pas exactement quoi. C'est quoi ton jeu préféré? Okay.
gentil. Moi, après, j'ai pas forcément de jeu préféré dans le sens où je ne joue pas au jeu. Mais vous, du coup, c'est quoi votre jeu préféré? Handball, c'est bien mieux que le foot ou le basket. C'est mieux que le foot, mais après, moi, pour moi, c'est pas mieux que le basket. Après, il y a du rugby, hein, c'est pas mal non plus le rugby. Ouais, dans les pièges. On sait que t'as pas de gros enjeux. Parce que ton mec fait du rugby, c'est ça. Quel mec. La Suisse ou la France? Ah bah la Suisse. Pour placer l'argent en banque, c'est bien plus pratique. Non, je rigole, j'ai pas 38, c'est un. T'as quel âge? Non, j'ai pas 23 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. Je joue pas au jeu, j'ai pas le temps. Bah écoute, c'est pareil pour moi. Le Pomsky est un chien. Ah bah voilà, mon frère est un Pomsky. Ils sont trop choux. Adorables. Et pratiques pour, pratique. Pour les lapins. Ouais. Ça se range facilement. Vous jouez à Roblox? Non, je joue pas à Roblox. Oh, t'as vu combien de festivals de musique cet été? Alors, je suis allé au Delta Festival. Ensuite, je suis allé à l'EMF. Ensuite, je suis allé à Rock Your Brain, donc un petit festival de rock en Alsace. Avant ça, j'ai fait un jour au Hellfest. Après, est-ce que ça compte comme festival, le festival de la BD, pour lequel j'avais été invité? Ouais, voilà. Et ensuite, après, c'est des petites soirées par-ci, par-là, et voilà, du coup, 5. Fais une vidéo de ton matériel de dessin. Alors là, ça va durer une heure. Parce que j'ai vraiment trop de trucs. Mais ouais, un jour, ce serait cool de vous montrer ça. Mais ça sera le jour où j'aurai un beau studio d'artiste bien rangé, tu vois. Parce que pour l'instant, c'est le bordel, il y en a partout, c'est dégueulasse. C'est toi qui as fait les écritures sur le mur? Oui, c'était il y a 6 mois quand j'écrivais vos prénoms en live. Pomsky est un bébé Yuski. Ah d'accord. Non, c'est... Ou alors c'est une... C'est une race c'est une femme qui fait du ski. C'est une race qui vient de... Le mur Kléber, ça donne quoi? Je pense que t'as mis un hat. Bonne question. Mais pour l'instant, en fait, j'attends la réponse de la mairie. Il faudrait que je les relance. Donc ça sera en septembre quand ils sont plus en vacances, quoi, en gros. Mais pour l'instant, j'ai pas de vacances. J'ai pas de nouvelles. Je ne fais pas une couleur, c'est une coiffure. Tu regardes Fuse? C'est quoi Fuse? Tu as combien de graphite tes crayons à alcool? C'est des marqueurs à alcool, c'est pas des crayons. Mais j'ai toute la gamme en fait. C'était pour envoyer des feutres pour que je puisse les tester et en parler un peu aux vidéos. Et du coup, j'ai toute la gamme.
m'a quitté, je reviendrai après. Mais c'est bon. Mais du coup, je crois qu'il y en a 120 de feutres graphite. Ouais, j'ai 120 feutres. C'est pas une pomme qui fait du ski. Bah, c'est une pomme qui fait du sky alors. Comment ça va? Comment ça va, toi, virus? Virus, ça m'a! Est-ce que tu pourrais tester les boules? Moi, je fais pas forcément de test de matériel. Après, je sais que tous les feutres à alcool, ils se valent. Et il y a Tissizo qui fait des tests de feutres, si vous voulez regarder. Viens à Saint-Tropez pour faire du street art. Alors ouais, tu me payes le voyage? Parce que Saint-Tropez, c'est cher. Ouais, moi aussi. C'est un peu cher. Tu me fais faire des tresses, exact. Enfin, c'est des nattes. Tu sais chanter? Ouais. C'est où la prochaine fois que tu vas pour faire des dessins? J'en ai aucune idée. Est-ce que je connais Chat Dessin? Non. Respecte mon chien. Non. Tu peux voir sans lunettes? Bah, le principe des lunettes, ça permet de voir, du coup, bah... Non, c'est je vois, mais... Je voulais dire au niveau de comment la puissance de tes lunettes, si t'arrives à voir sans tes lunettes. Ah, bah, je vais regarder. Genre, si tu vois pas fou. Ouais, genre, tu peux voir sans tes lunettes. Moi, je suis obligé de mettre des lentilles, sinon je suis aveugle. Attends. Lodi Bidon, tu dessines depuis quand? Cherche, c'est trop mignon. Attends, quoi? Bref. Je dessine depuis quand? Depuis toujours. J'arrive à lire, quoi, mais c'est compliqué. Recherche, c'est trop mignon. Ouais, j'avais bien réussi à lire, mais ça ne veut rien dire, ton commentaire. Désolé. Les Malinois, c'est ma race de chien. Je vois où ça ressemble. Je me fais une description. Je dessine des dessins de Genshin Impact grâce à mon dessin. Yes, trop bien. Comment tu dessines trop bien? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah ouais. Où tu trouves toute ton inspiration? Bah, majoritairement sur Instagram. En fait, je vous mets d'ailleurs dans les posts Insta, dans la description, à chaque fois que je m'inspire de quelqu'un ou de quelque chose. Je vous crédite tout, quoi. Est-ce que ça t'arrive des fois d'aller à la campagne ou de marcher dans la rue et de t'inspirer de choses qui sont Alors la campagne, non, mais par contre dans la rue, ouais. Faut chercher Malinois, flemme. Mais je pense pas qu'il veut, en fait, parce que je le laisse pas faire. Comment tu fais pour dessiner trop bien? Alors, la réponse à ça, c'est très simple. Comment tu fais pour être musclé? Comment tu fais pour être doué dans un sport? Comment tu fais pour apprendre à marcher, à parler? Comment tu fais pour apprendre une langue? Je pense que tu peux répondre tout seul à la question. Ça donne quoi les tresses? Bah, tu verras. Tu l'as dit hier. Oui, je sais, parce qu'on me pose la question à chaque fois, en fait. Dessiner un t-shirt? Non. Les Malinois, c'est ma photo. Ouais, mais frérot, ouais, tout ça, c'est du frérot, quoi. Merci beaucoup, Lexi. Merci beaucoup, Lee Dessin, aussi, pour les likes. T'es trop fort en dessin. Merci beaucoup, Louis. Bye à toi, Léo. T'as déjà essayé les lentilles de contact? Bien sûr, j'en ai. Moi aussi. J'ai juste un peu la flemme de les mettre. Je les mets tous les jours. Genre là, j'en ai plus. Question très intéressante. Est-ce que ton frère artiste a une chaîne? Alors non, mais il a un compte Instagram qui s'appelle Igor Baudoira. Donc je pense que si vous recherchez Igor Baudoira sur Instagram, vous allez trouver son compte Insta. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà fait une collab? Non. Est-ce que vous envisagez de faire une collab? Ouais. Enfin, c'est pas prévu, mais ouais, j'aimerais bien, tu vois. Je me suis mis dans l'art grâce à toi. Merci beaucoup, tu es mon inspiration. Merci à toi, c'est gentil. C'est trop mignon. Ouais.
Oh, ça fait tellement plaisir, les commentaires comme ça. Aimes-tu le nom de Tyron? Ou Tyron? Je sais pas. Ça, c'est... Je sais pas comment on prononce. Mais ouais, j'aime bien. Est-ce que je suis né à Strasbourg? Non, je suis né en Haute-Savoie. Pourquoi tu dessinerais pas de manga? Pourquoi tu dessines pas de manga? Parce que j'aime pas trop le style. Il est quelle heure chez toi? La même heure que hier à la même heure. Non, il est 19h28. Tu es des où? J'ai pas trop compris. À côté des Vian en Haute-Savoie. Tu as un nouveau projet en ce moment? Y a la petite collab avec Tissizo qui va sortir bientôt. Il y a une nouvelle vidéo YouTube de 5 parodies de Facebook que je termine et qui va sortir lundi. Une vidéo en collaboration avec Fiverr. Alors, tu peux mettre comme ça. Voilà, une vidéo en collab avec Fiverr qui va bientôt sortir aussi pour YouTube. Du coup, tu n'es pas alsacien? Non, je suis pas alsacien. Je suis strasbourgeois de cœur. Oh, ça te fait pas rire. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. De quoi? Ma couleur préférée, c'est rose. Et toi, Anna? Violet. Appartement ou maison? Appartement. Moi, ça serait genre loft américain, super grand, avec sur un parc, ça serait trop stylé. Ah oui, les belles New York. Bah ouais, c'est ça. Les blindés. Les blindés. Ah, ah, mais c'est mon objectif d'être blindé. Est-ce que tu as déjà fait un dessin que tu n'as jamais fini? Bien sûr. Bien sûr, il y en a plein. Il y a déjà des customs que je n'ai jamais terminés d'ailleurs. Je pense que ça arrive souvent aux artistes de commencer quelque chose et puis après il y a la motivation de le faire ou alors il faut avoir l'inspiration. Exact, moi c'est plutôt manque de motivation. Ah bah bravo, ça va super. Donnes-tu des cours de dessin? Alors non, parce que franchement moi ce que je vous apprendrai dans le cours de dessin c'est dessiner. Voilà. Je ne ferai pas plus de cours ça en fait. En fait, tu apprends en pratiquant, donc ouais, c'est vrai. Voilà, je vais pas vous apprendre grand chose. Mon animal préféré, c'est le chat et le tigre. Le cheval et le renard. Le cheval et le tigre. Origine française, rien de plus important. Généalogique, il y a des gens qui ont des forts prénoms italiens. Ah. Genre, j'ai un grand-père, c'était monsieur Otto. Otto? Otto. Otto. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Mais je sais pas où est-ce qu'il habitait, où est-ce qu'il vivait. Tu peux refaire un dessin Genshin pour moi et je m'abonne. Alors, comment ça pour toi? Ils sont à vendre les dessins en fait, ils sont pas à donner, tu vois. Tyron, mais ça s'écrit Tyron, d'accord. Du coup, je le prononçais bien correctement. Elle est super douée. Oh, tu es douée. T'es de quelle origine? Alors, toi, t'es de quelle origine, Anna? Moi, je suis moitié française, moitié maltaise. Moitié maltésère. Maltésère. Et moi, je suis français. Yo, Otto, c'est allemand. Ah, Otto, c'est allemand. Bah, voilà, tu m'apprends quelque chose. Le pauvre, il a cru qu'il était bah, italien. Bah ouais, moi je pensais que j'étais italien, j'étais content. Fallait pas dire ça. Enfin, après, c'est quand même un arrière-grand-père, tu vois. Donc, il y a. Aïe. Les origines, elles sont loin, quoi. Donc, en fin de compte, t'es quand même bien alsacien, quoi. Moitié français, moitié allemand. J'adore, il y a quelqu'un qui dit genre. Incroyable, les tresses, elle est coiffeuse? Oui, elle est coiffeuse. Oui. Est-ce que tu connais Chat Dessin? C'est pas le premier à me demander ça, mais non, je connais pas. Roblox ou Minecraft? Minecraft. Ouais, plutôt Minecraft. Regardes-tu des animés? Non. Mais par contre, je vais me mettre à l'attaque des titans.
pas, j'en ai regardé de quoi, c'est pas bien, peut-être pas. Ah ouais. Après, moi j'ai vécu des trucs un peu plus réalistes. Bon, vois, en fait. Bon, en fait, on m'a convaincu parce qu'on a dit que c'était gore et j'aime bien. Genre, c'est interdit au moins de 16 ans par exemple. Ah oui, ouais. Tu m'écoutes, Indochine ? Je coupe de tout. Ouais. Faudrait te poser la question de qu'est-ce qu'il aime, hein. Comme musique, parce qu'il aime tellement de choses. Ce que j'aime pas, c'est les musiques, ça s'appelle le noise. Et en fait, c'est du bruit. Ah, c'est du bruit ? Ouais, c'est que du bruit. Ah ouais, non, c'est pas ça. Mais du coup, par exemple, en fait, genre, quand t'as une télé, tu fais genre pshhh. Et ben, c'est ce genre de bruit assourdissant. Et en plus, des fois très fort. Merci beaucoup, Justin. Par exemple, il y a d'autres bruits du style un crissement de craie sur un tableau. C'est horrible. En fait, c'est des trucs qui sont désagréables à l'oreille. Et en plus, c'est pas rythmique. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a un minimum de rythme dans une musique. Tu vois. C'est le principe d'une musique, quoi, c'est moi. Mais c'est des gens qui veulent s'émanciper de toutes ces règles en disant genre, ouais. On n'est pas obligé de faire de la musique qui soit bonne à entendre, machin, c'est pas gros. Est-ce que tu es tonton ? Oui, deux fois même. J'ai deux petits neveux. C'est un screamer audio le truc. Ouais, exactement, c'est ça. Donc cherchez noise sur internet, écoutez 2-3 musiques, enfin musique si on peut appeler ça comme ça. Et voilà. Tenez, madame. Tiens, chérie. Parce qu'il y a encore des gens qui posent la question si c'était ma copine. Bon, après, c'est ouais, c'était pas là avant. Est-ce que tu aimes les Doritos au piment ? J'ai jamais testé. Doritos ! Oui, Otto comme dans Malcolm, tu connais ? Ah non. Pourquoi tout le monde a des bracelets ? Moi la première. Bah, parce que c'est cool. C'est cool d'avoir des bracelets. Est-ce que j'aime les crêpes ? Ouais. Ça va ou quoi ? Ah bah, quoi ? Attends, vois, il y a un commentaire, elle m'a dit genre, elle te fait des tresses, donc oui, elle me fait des tresses. Moi j'ai lu, elle te fait les fesses. Elle est en train de me faire les fesses. Voilà, deuxième. Non, mais t'en as vraiment temps de tout faire. Hein. Ouais. Arrache. Qui t'a appris le dessin ? Dieu. C'est pas Terre qui m'a appris à l'être. Non, mais j'ai appris. Un peu tout seul, un peu avec des cours, un peu avec des profs, plein de trucs quoi. Tu connais pas Malcolm ? Si, je connais Malcolm. Pov, le live de 4h30. Ouais, je pense que ça va durer quand même un moment. Ah, je suis bien comme ça. Ouais, là, ça va durer plus d'une heure. Hein. Repas préféré, le jeûne, c'est économique. Tu manges quoi ? Il dérange le tableau ? Ouais, je reste pas contre. J'ai peur en fait. Elle sait faire des vanilles. Tu sais faire des vanilles ? Je sais pas ce que c'est. Merci beaucoup, elle, de partager le live. Elle, genre la lettre. Tu es fatigué un petit peu. Eh ben il y a Otto, le shérif. Ah d'accord. Mais moi c'est Otto, ça s'écrit genre O de T O. Elle te monte dessus. Ah, tu me grimpes. Là, je vais pas te rater. Je suis une montagne. Parce qu'il me mange pas ton poète. Ah, c'est une grenade. Dynamo Zagreb, il t'a
Reste con. Est-ce que les Christophe... Comment t'as passé, après tu vas t'appeler Jean-Christophe. Attends. Est-ce que les Christophe sont gratuits? Mais quoi? Mais qu'est-ce que... De quoi tu parles? Le mur de Strasbourg, tu vas le faire ou pas? Sinon je t'adore. Bah écoute, j'aimerais bien, maintenant j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas. Tout ce qui est administratif, t'es en couple? Ah ah! Oui, c'est Otto, je sais pas qui est d'accord. Japonaise, non, j'ai jamais goûté. La chanson. Bien, c'est sucré ou salé? Ça dépend quand. Ça dépend quoi? Les chips gâteaux. Comment ça, les chips gâteaux? Je peux avoir des chips. Tu veux des chips? Tiens. Est-ce que je connais d'autres youtubeurs qui font des dessins? Alors, connaître personnellement. Du coup, sur TikTok, j'en connais pas mal. Sur YouTube, je connais TutoDro un petit peu, vite fait. On a échangé quelques messages. Mais sinon, après, j'en connais plein, mais j'ai pas échangé avec eux, quoi. Genre, il y a Gox, Dex, ZHC, Marco. Doc, voilà quoi. C'est quoi comme coiffeuse? Alors c'est une être humaine. Ah oui, c'est des nattes. Par contre, à un moment donné, je vais raconter une anecdote. En 2020, j'étais en colocation avec un gars. Et ce gars-là regardait YouTube, mais ne regardait vraiment pas tout ce que tout le monde regarde, en fait. Il regardait des YouTubeurs étrangers, des trucs qui étaient en rapport avec son travail, c'est-à-dire en rapport avec les langues, parce qu'il était linguiste. Il voulait apprendre le maltais. Et voilà. Et du coup, moi, j'étais embauché à ce moment-là. Je commençais à vivre un petit peu de ma passion. Et j'avais été embauché par Bump, donc, c'est-à-dire le studio de Squeezie, pour aller faire une fresque là-bas. Et du coup, moi, tout content, je le dis à mon coloc, genre, ouais, je vais aller faire une fresque chez Squeezie et tout. Et le mec, il fait genre, oh, je connais pas. Donc, moi, déjà, ça m'avait étonné quand même qu'ils connaissent pas un YouTuber à 15 millions d'abonnés. À ce moment-là, il y en avait 15. Et du coup, je lui dis, ah ben, je sais pas, peut-être que tu connais ce Cyprien, il travaille souvent avec lui. Non, je connais pas non plus. Du coup, ça voulait dire que le gars, enfin, genre, je sais pas comment il faisait, tu vois, mais même que ses potes ne lui en parlent pas ou ne lui ont pas fait découvrir, je trouve ça étrange qu'il y ait quelqu'un qui était assez jeune en plus, il avait la quarantaine. Hein. C'est quand même assez vieux, mais. Mais c'est pas un vieux, quoi. Ouais, je sais. Mais c'est pas non plus un vieux de 50-60 ans, quoi. C'est quand même un assez jeune. Enfin, il est d'une jeune génération, en plus. C'est la preuve, il était en coloc. Et du coup, je trouvais ça étrange qu'il y ait un assez jeune qui ne connaisse ni Cyprien, ni Squeezie. Oui, moi. Moi, c'est
grâce à toi que je connais. Ah mais toi t'es un extraterrestre aussi, c'est différent. Toi t'es pas française aussi, ça peut ouais. expliquer, tu vois. Tu connais forcément plus des youtubeurs américains. Ouais, ouais. T'as combien de bracelets? Alors comment t'as écrit bracelet déjà? C'est compliqué. Alors j'ai le bracelet de l'EMF. Le bracelet d'une soirée de TikTok, la For Unite. Le bracelet du Delta Festival. Ah bah un autre festival que j'avais fait que j'ai oublié. Master of Hardcore. Le bracelet du Hellfest. Le bracelet ambassadeur du Delta Festival. Alors qu'on n'était pas prévu en tant qu'ambassadeur mais qu'on a réussi à gruger. Avec un pote. Et le bracelet d'une soirée à Paris. Voilà, du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on est en couple? Je sais pas. Peut-être à la fin du live, on verra. Tu radotes beaucoup, papy. Comment ça, je radote? Ah, Axel. C'est Axel qui commence. Tu fais des salons de créateurs? Alors oui, Polymanga à Montreux et Art to Play à Nantes. Après, il y a quelques autres petits salons en Alsace, mais du coup, c'est pas encore programmé, quoi. Ma parodie de Pokémon préférée, à vrai dire, j'en ai pas forcément. Et du coup, ça sera à vous de me dire, quelle est votre parodie de Pokémon que j'ai fait qui vous a le plus plu. Continuez les bruitages, bon, t'inquiète. En fait, c'est à force d'en voir, d'en apprécier, d'acheter des magazines sur le sujet, que mon frère m'en parle aussi parce qu'il en fait beaucoup, que j'ai voulu tester moi aussi, tu vois. Donc je me suis mis quand même grave tard, mais voilà. Alors, votre parodie de Pokémon préférée, les gars. Tortong, d'accord. Une youtubeuse que je préfère. Je dirais Natou ou Amy LTR. Voilà. Artiste préféré, alors là c'est pas possible de choisir. Maconi, mon doigt de pied. Ouais, mais j'ai pas encore dessiné. Magic Lag, Picagro. Picagro, c'est pas un jeu de mots, frérot. Donc bah désolé, mais je le ferai pas. Pikachu. Tortub. Il n'y a pas de jeu de mots. Mais... Un jeu de mots, les gars, c'est pas. On n'est que sans trans. Bah ouais, je sais, mais bon. C'est pas grave, on est quand même bien. Est-ce que j'aime la plongée? J'ai jamais testé. Du coup, Tortub, pourquoi la plongée? Tortub, c'est pas un jeu de mots, les gars, dans le sens où. Pour que ce soit une bonne parodie de Pokémon intéressante à faire, ça sert à rien de juste rajouter tub à la fin, tu vois, genre cul ou poil. C'est pas un jeu de mots, c'est pas juste tu remplaces la dernière syllabe par tub, c'est pas un jeu de mots. Il faut que ce soit. Qu'il y ait une similitude par la prononciation. Genre par exemple, Léviator, Léviatub, Tor, tub, tu vois, il y a quand même une similitude. Magiclac. Magikarp, carp, clac. Tu vois que ça se ressemble. Pikachi, Pikachu. Pikachi. Voilà. Pikachu. Ouais, Pikachu. Merci beaucoup, Kylian. Mon chanteur préféré, je dirais Lil Nas X. Et vous, quel est votre chanteur préféré? Picasso. Franchement, mets-le en commentaire, il est trop bien. Stromae. Jules.
Bruno Sauvage. C'est un chanteur, ça? Lil Peep. C'est un chanteur. Slimane. Est-ce que je connais la K-pop? Bien sûr. Alors il y en a un qui a écrit Oren Sal. Alors je pense que t'as inversé des lettres, frérot, là c'est pas possible. XXXTentacion, bah ouais, grave. Malheureusement parti trop tôt. Apparemment il y a un nouveau album qui vient de sortir, après ils sont blessés. Ah bon, il y a pas longtemps. Album à titre posthume, quand enfin, c'est possible? Peut-être pas album. Des chansons. Mais à mon avis, ouais, il y avait des nouvelles chansons, des chansons qui n'avaient pas été. Tu nous pourras à quel âge il est mort? Oh, il avait 20 ans. Ah ouais? Ah non? Mais non! Il est de 98! Mais il est super jeune en fait! Attends, non, il avait pas 20 ans. Bah si! Assassiné en pleine rue, c'est marqué genre. Ah oui, dans sa voiture, non? Je sais pas. C'est pas dans sa voiture. Je sais pas. Mais ouais, à mon avis, oui, bah c'est pour ça qu'il est mort jeune, parce que sinon, t'es pas malade. Oh la vache. Il a déjà 27, 26 ans, quoi. Ouais, t'imagines, ouais, le mec, ouais. Il a fait plus de trucs que toi, alors qu'il a un an de moins que toi. Nino, ouais, j'avoue, Nino, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Alors là, il y a une question politique. Est-ce que tu es pour ou contre l'avortement? Ça dépend de la situation. Moi, je suis pour. C'est pas à moi de décider ce qu'une autre personne... peut faire ton corps. Et en plus que ça, c'est quelque chose dans laquelle je serai jamais confronté à la situation. Enfin, mis à part si c'est avec ma femme. Mais justement, même si c'est arrivé avec ma femme, j'ai envie de pouvoir choisir. Ouais, c'est ça. Tu es de 92. Non, je suis de 95. 95. En même temps, je comprends pas en fait comment on peut être contre. Enfin, si, genre, ouais, c'est donner la vie, machin, tout ça. Oui, mais bon, si t'as pas envie. Bah, c'est pas que si t'as pas envie, si tu peux pas ou si tu. Si par exemple. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et. Ouais, bon, tu te constates avec l'enfant du violeur. Que ce soit le viol ou que ce soit. Bah, je sais pas, imagine, tu couches à 16 ans. Et puis soit t'es pas au fait des protections, soit la protection elle a pas marché, tu tombes enceinte à 16 ans, quoi, c'est n'importe quoi. Ouais. Et ça, en fait, ça dépend des... L'avortement, ça dépend des situations. Genre, par exemple, il y a des nanas où les médecins leur demandent s'ils abortent le bébé, pour que eux, ils restent en vie. Parce qu'ils peuvent mourir... grâce à avoir donné la naissance. Oh, j'ai du mal à parler français. Moi, j'avais que des anglais au niveau de ça. T'as vu sur la polémique sur la meuf de 16 ans aux USA? Non, j'ai pas vu. Les films ou les séries? Moi, je préfère les films. Oui. Va à Lille, il y a beaucoup de street art. Comment t'as écrit street art, frérot? Mais j'ai prévu d'aller à Lille fin août. Bah, début septembre. Ah bon? Ouais, pour le Braderie Lille. L'avortement, c'est le choix de la personne si elle n'est pas prête à être mère, c'est son choix. Bah oui, en fait, plutôt que de devenir une mauvaise mère et de faire un fils qui sera mal aimé ou pas aimé ou peu importe, quoi. Donc autant pas faire de fils tout court, enfin de fils ou de filles, d'enfants.
C'est ta femme? Non. Ça me serait tardé. Tu aimes mon pseudo? Aucun. Mon pseudo, c'est aucun. Ouais, c'est marrant. C'est ta sœur? Non, c'est pas ma sœur. C'est ma target. Mon objectif. Non, je rigole. McDo ou sushi? Sushi! Sushi! C'est une coiffeuse, exact. Ouais. Est-ce que je suis déjà parti au Maroc? Non, par contre, en fait, genre, moi, tous les pays, j'aimerais bien les visiter, donc, Chaque pays a son histoire et a sa culture. Ouais. Peut-être à part les pays où tu risques de mourir quand tu rentres dans le pays. Bah, ceux qui sont en guerre. Ouais, voilà. Mais sinon, genre, juste parce qu'ils sont en guerre, en fait. Par contre, les paysages ont l'air comme cool à visiter, tu vois. Team sushi, yes. Yes, est-ce que vous préférez les tortues ou les chats? Les chats, les tortues, c'est trop lent. Ouais, chat, pas sûr. C'est pas très doux à caresser une tortue, tu vois. C'est Apolline? Non, c'est pas Apolline. Je sais pas qui est Apolline. Je m'appelle Anna. Genre, Chine, je crois que là-bas, tu as un te pute. Comment t'as écrit Chine, par contre, c'est incroyable. Et non, on te tue pas. Ah, c'est con. T'isoles peut-être. J'ai déjà vu une tortue courir. Est-ce qu'elle a dépassé un lapin? Non, je joue pas à vous. Ton pseudo, Bobby la grenouille, ouais, c'est pas mal. Alors, pause, il faut juste filer sur la tête. Voilà, je suis désolé, les amis. Mais non, mais regarde ce qu'on va faire. Je vais souscrire un abonnement avec ton téléphone. Pardon? Ah oui! Non, je vais m'abonner, tu vois. Genre, hop là. Mais j'étais pas déjà. Allez, non, mais je veux dire souscrire, genre 7 euros, c'est parfait. Non, ah non, c'est 6 euros maintenant! Non, je suis pas. Je vois ma coupe, c'est vraiment dégueulasse. Oh, c'est horrible. Ah, ça fait rire. Ton pseudo Fluffy Wiggy. Ouais, c'est marrant. Je vais à la brocante de Lille, oui, avec Vernex. Mon deuxième prénom. Ah ah, devinez. Apolline, c'est youtubeuse qui ressemble à ta coiffeuse. Ah, il y a un souci. Ouais, je crois, ouais, aussi, ouais. Mais elle est plus grande, en taille. Ah, voilà, ça m'étonne pas. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est plus grand que moi. Ça. Mon premier tag, j'en ai fait une vidéo YouTube. C'était pas vraiment un tag, c'était un dessin. Enfin, ça a toujours été dessin, j'ai jamais fait de tag. Mais voilà. C'est bon, tu peux laver la tête. Est-ce que je peux avoir un élastique, s'il te plaît? Oui. Merci d'avoir dit ton pseudo et bon, bah t'inquiète. Au revoir à toi, bonne soirée. J'aime bien la poubelle Covid, ah yes. Ouais, parce que j'ai pas une poubelle avec des Covid. Ah oui, on a fait ça. Exact. Tu as eu à quel âge tes premières bombes de peinture? Je sais pas. Si, j'en avais acheté quand j'étais à Lyon, mais je peignais pas avec. C'était pour. Enfin, je peignais pas en extérieur avec. C'était juste pour faire 2-3 petites peintures chez moi. Et du coup, c'était en 2016, je crois. 2015-2016, en tout cas. Ouah, vache. Ah, merci. Santé.
Santé. Je suis sûr que tu connais Apolline, c'est une pote à Michou dans la team Croton. Ah bah oui, si, j'ai déjà vu. Elle est déjà en couple, elle. Enfin, c'est un peu tout, tu vois. Rien à voir. T'aimes bien voyager ou pas? Ouais, j'aime bien. Bon les gars, du coup, je vais juste recommencer un live tout de suite parce que là, je vois que vous êtes de moins en moins nombreux, c'est dommage. Je vais, bah, c'est tant mieux.